Salut tout le monde, moi c'est Constance, je suis professeure ici au club depuis plusieurs années et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo cours de dressage avec les Galop 4 du club. Nous nous trouvons dans la carrière des sports-études tout simplement parce que celle du club habituel a été complètement inondée avec les énormes pluies qu'on a eues ces derniers temps. Et tout de suite, je vous présente les chevaux et les cavaliers qui participent à ce cours, en sachant qu'il y a des petits nouveaux et puis des anciens qui étaient partis au repos pendant un petit moment et qui sont revenus au travail dernièrement. Allez Hélène, essaye de la réveiller un petit peu plus que ça, hein, parce que Indiana, si dès le départ t'es pas à la réveiller, elle va rien faire du cours. Attention de trotter sur le bon diagonal, Julie. Pareil Luna, je devrais pas avoir à le dire normalement. En galop 4, on sait trotter sur le bon diagonal quand même. Attention Élise, on se met jamais derrière Butterfly parce qu'elle botte. Allez, on va galoper. Et puis pendant votre galop, je vais vous demander de faire plein de petites choses, d'accord? Donc restez bien attentifs. Allez, dans le prochain angle de la carrière, vous faites une volte. Et on se met en équilibre maintenant. Très bien, Luna. Et on reste, on reste, on reste. Allez Thomas, je veux pas un galop enlevé, je veux vraiment un bel équilibre. Et on avance, on avance. Vous allez repasser au trot. Et dans le prochain angle de la carrière, on reprend le galop. Super le départ, Élise. Vous allez repasser au trot. Un beau trot de travail. Et vous allez me changer de main. Et une fois que vous avez changé de main, vous allez vous mettre sur une volte. Et la prochaine fois que vous rejoignez la piste, vous reprenez le galop. Allez, toujours dans votre galop, vous allez venir passer entre les deux barils ici. Et au moment où vous passez entre les deux barils, vous vous mettez en équilibre jusqu'à ce que vous ayez rejoint la piste. Allez, toujours en avançant, Hélène. Allez, allez, aide-toi de ta voix. Très bien, sinon. Très bien, Thomas. Oui, Élise, très bien. Très bien, attention de ne pas la laisser couper, hein. Alors, attention, Romy, méfie-toi avec Cyrano, c'est la première fois qu'il voit les barils. Et ben voilà, très bien. Félicite-le, même avec la voix. Ok Luna, attention d'aller bien droit. Alors c'était à partir des barils, Julie, qu'il fallait se mettre en équilibre. Sinon très bien, attention de ne pas trop te pencher vers l'avant. Allez, laissez-les souffler. Alors, je vous ai installé au sol trois barres en forme de triangle et puis un des bidons. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir au trot, au centre de la barre qui est tout à droite. Vous visez bien le centre du triangle à l'opposé. Vous faites le tour du baril et la même chose dans le sens inverse. C'est-à-dire d'abord, on vise bien le bout du triangle, la pointe et le milieu de la barre qui est en face. On fait ça dans un premier temps, plusieurs fois dans un petit trot moyen pour vérifier que vous avez bien toutes les commandes au niveau de la direction. Voilà, pas trop vite Julie. Et le milieu. Très bien. Sans caler. Voilà, et on revise le milieu. Très bien. C'est un très beau passage ça.
Oui, très bien, Luna. Tu as très bien rectifié. Tu étais un peu de traviole au départ. Et puis, tu as très bien rattrapé. Super. Très, très bien, Élise. Reviens tranquillement au pas, Romy. Il a cru qu'il fallait sauter. Voilà. Oh. Bah alors, il sait pas trop quoi faire de ses pattes. Remets-le bien droit quand même. Voilà. Et bien droit, bien droit. Voilà. Continue l'exercice à la limite. Fais-le au pas une première fois. Hop là, attention à moi, loulou. Et ben voilà, caresse-le fort. Bien, Chloé. Super. Voilà, petit trot, Romy. Petit trot, petit trot. Voilà, super. Très bien, t'as bien rectifié. Comme ça, il était bien droit. Et le centre? Ah bah oui, non, non, là, ça va pas. Allez, Hélène. On la réveille un peu, là, hein? Voilà. Et regarde où tu vas. Super. Doucement. Voilà. Essaie de tourner de l'autre côté à la limite. Voilà. Fais ton tournant à gauche et tu vises le milieu et tu bouges plus et tu félicites. Très bien. Pareil Thomas. Vas-y doucement comme on ne connaît pas trop encore vers terre. Très bien. Oui, attention de ne pas trop évaser. Ça ne sert à rien. Au contraire, je voulais plutôt un tournant serré. Mais sinon, très bien. Alors, on vient pareil au trot toujours. On vise le centre de la barre, puis la pointe du triangle. Et entre les deux barils, on prend le galop à droite. Quelques foulées suffisent et on repasse au trot, puis au pas. Alors, qu'est-ce qui n'allait pas selon toi, Julie? Exactement. Il a accéléré d'abord le trot avant de partir au galop. Ah, parfait, Luna! Pile poil entre les plots, très bien. Alors, attention de ne pas trop anticiper le départ justement avec elle. Parfait. Bien droite, Chloé. Très bien le départ. Pas trop vite, Romy. Super. Pas trop vite non plus le galop. Prends le temps de reprendre le contrôle. Tu ralentis ton galop. Tu fais un tour ou deux jusqu'à ce que tu sentes que c'est toi qui as le contrôle. Alors, si tu arrives à me faire un départ au galop avec ce trot. Ouais. Laborieux. Très bien, Thomas. Alors, je vous ai installé deux barres au sol. Vous allez venir au galop. On va commencer piste à main droite. Vous venez donc sur la première barre et vous essayez de me faire trois petites foulées entre les deux barres. D'accord? Alors attention Luna parce que Manhattan il a des très grandes foulées. Non, super! Alors essayez de bien rentrer dans le coin pour avoir la place. 1, 2, 3, super! 1, 2, 3. Oh oui, il y avait même plutôt 3,5. Combien? Oui, c'est ça, il y en avait trois. Ah, là, il n'y en avait que deux, Romy, hein? Super, Hélène. Très bien, Thomas, super. Alors, attention, je laisse la même distance, mais cette fois-ci, je veux deux foulées. Allez. Oui, alors c'est dommage, c'est que tu n'étais pas entre les deux barres, mais tu en as fait en gros une demi au début, une demi à la fin et une entre les deux. Donc en tout, ça fait deux, mais ce n'était pas exactement ce que je voulais. Oui, super. Ah non, il en avait trois. Allez Chloé, on pousse. Super. Bon, alors normalement avec Cyrano. Voilà, pas de souci. Allez, Hélène! Allez, Hélène! Ça manque encore un peu de tonus, hein? Ah, presque, Thomas!
Allez, vous allez les trotter un petit peu reine longue et puis vous les laisserez marcher. Bon, du coup, on termine le cours par cet exercice-là. Je suis vraiment satisfaite de nos deux petits nouveaux, là, Cyrano et Werther. Je pense qu'on peut vraiment en faire des super chevaux de club. Ils travaillent très bien. Ils sont jeunes, hein, tous les deux, donc c'est normal. C'est aussi le temps que ben voilà, ils s'habituent à cette nouvelle vie de club. En tout cas, moi, j'espère que ce cours vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye tout le monde !